Adesso, maintenant. Alors, le résumé, bah, je viens surtout pour mes chats. Euh, ça fait longtemps que je dois venir vous voir, je ne me décidais jamais. J'arrête ou la dame, elle reprend Oui, mais... non, alors, bah, si vous voulez, je peux déjà partir. Alors, il y a tempo che volevo de temps que je voulais contacter mais je euh, ne me décidais jamais et viens maintenant pour mes C'est chats qui m'ont donné un électrochoc. Sono Gilles stati i del... miei gatti che mi hanno donato, dato una sorta di elettroshock. Eh, però nell'email non hai parlato dei gatti, no? Alla no. fine. Sì. Alla fine, fine, fine. Okay. Dall'email ah, ti ha parlato ah, di gatti alla fine, è vero. Per la oui, fine. Ma... Ah, che stai leggendo al veste. contrario. Ah, tu <ride> leggi dalla fine. Ah, ho capito. Sì. Li ho visti in inferno, una notte li ho visti in inferno e c'era vraiment reale. Et peut-être une semaine après, comme je ne voulais pas m'imaginer que c'était possible de voir des, des, des animaux en enfer, euh, une semaine après, j'en je, ai entendu une qui criait son désespoir. Alors, j'ai vécu un inferno. Pendant le rêve, tu as dit ça, tu as vécu l'enfer. Je les ai vus en enfer. J'ai vu mes gars dans une... nell'inferno, et je n'aurais jamais pu croire que ça pouvait être vrai settimana qu'une semaine après, je n'en ai senti une qui criait oui. Et puis une semaine après, je l'ai entendu dans en fin d'après-midi crier son désespoir. Oui, j'ai traduit. Oui, j'ai pomeriggio, j'ai senti disperatamente gridare questo gatto. Patrizia, attends. Et vedo que fai la directrice delle traduzioni. Va benissimo, però. Però, quando entra a tradurre Francesca, in automatico ti ferma. Oui, je vois qu'il t'essaye de gérer les, la traduction, mais t'inquiète pas, une fois que, je rentre, que Francesca rentre à traduire, tu peux arrêter de parler. Oui, vous, vous, vous me coupez alors, c'est ça bah, C'est mieux qu'il vous faites des phrases, entre Et guillemets, vous coupez. pas trop courtes, vous mais, coupez. mais bon. Vous, vous coupez. Je, les, vous coupe. si les, je vous coupe. Si cas je vous coupe. Je gère. On bénéficie là. Ok, <laughs> Alors, je suis surtout venue pour. Bah, pour, mes, pour délivrer mes, mes animaux, il euh, y a Shana et Cachou. Et si c'est possible aussi d'aller voir pour Baxter, je n'ai pas envoyé la photo pour Baxter, mais que je dois vous la montrer. Je um, suis venue pour libérer mes animaux. Mm. Uh, je voudrais libérer surtout Shana et Cachou, mais forse avrei dovuto aussi parler de Baxter. Devo mandarvi la photo. C'est un, un chien ou un chat Non, un chat. Un Alors, avec un nom de chien. C est, c est, non, elle a chat. Non, non, non. Forcément, <laughs> bah, que... <laughs> <Attends, rire> on va me chiamer Lia. Attends. Il a volé ou Barbara, à chaque fois qu'il y a tout, il y a cette rigolade. Je ne sais pas ah, moi. <laughs> faute, Non sono io, Calò! Eh? Dice Barbara. Allora, io bueno. non è... volevo sapere se fosse un gatto o una gatta, per curiosità, non per sapere se ci voleva la foto o meno. J'étais juste curiosa di sapere se c'était un chat o un chè, il n'y a pas besoin d'avoir la foto. No, d'accord. Comunque, siccome lei comanda, mi ha fatto vedere la foto lo stesso. <ride> esatto. Ma voi che vous comandez, vous m'avez fatto vedere la foto, quand même. No. Ok. Merci. Okay. <laughs> euh, qui c'est Moi Oui, c'est oui. votre tour. Le, le deuxième point, euh, si pour, bah pour moi, si c'est possible d'aller voir avant ma naissance comment je me suis fait, euh, euh, comment je vais dire, comment j'ai fait pour atterrir dans une vie pareille. Quoi. Voilà. Uh, Par contre, pour y a le second point, je voudrais savoir comment on a fait, prima de la mia nascita, d'atterrare dans une telle vie. Alors, le troisième point, c'est bon, je voudrais retrouver de l'énergie parce que je suis sans arrêt vidée, je ne sais plus rien faire. Uh, je deviens une de vraie clocharde. Uh, oui, retrouver la santé et la capacité aussi à apprendre. Parce que bon, là, j'étais. Uh, Enormemente bloccato di l'anno di 6 anni, dei grossi. Mai, mai, mai. Per terzo punto, vorrei recuperare la mia energia, la mia energia vitale, perché mi sento la, di fare la vita da tipo barbona, non ho più forze energie, e vorrei recuperare la mia capacità anche di apprendere. Perché, da quando ho 16 anni che mi sento bloccata nell'apprensione, quasi? No. Ah, sì? Oui, euh, je relis le, ce que j'ai envoyé à Electra ou non Devo lire ce que j'ai envoyé à Electra facciamo oui. così faccio un riassunto io velocemente partiamo. Eh. Je vais faire un petit résumé moi-même, vite oui. fait, de la mail que vous avez envoyé et on y va. Oui, ça sera mieux. Oui, si, ça sera mieux. <ride> je <ride> suis <Sono> d'accord. <ride> Alors, tua madre voleva abortire. Mm? Se Ta mère, elle de... voulait aborter Oui, elle, oui pas Bien, oh, mais pas possible. Essere... Mais non, è stato pas possible. Vabbè, comunque, questo m'a mis messo aborto. Parce que les sentono tanto queste cose, choses. Oui, parce que mm. les, les bébés ressentent beaucoup ce genre de choses. Ok, Fratello suicida a suicidé à 16 ans. Tu as eu un frère qui s'est suicidé à 16 ans 17 ans. 17. Vabbè. Lei ne pas 16 ans c'est la même chose, ça ne change euh, pas. beaucoup. Tu euh, dis que à 33 ans, tu as été violemment attaquée à la tête d'entités diaboliques. Explique-moi ce qui s'est oui. passé. Tu dis dans l'email qu'à l'âge de 33 ans, tu as été attaquée violemment à la tête depuis des entités diaboliques. Tu peux m'expliquer qu ce qui s'est passé ou qu'est-ce que tu veux dire euh, J'étais me coucher parce que j'allais très mal. e avevo dei problemi cronici alla gorge e poi uh, j'ai sombré e j'ai été rivegliata da una horde di demoni avevo molto male quindi uh, avevo una sorta di malattia cronica alla gola e sono andata a riposare e poi sono stata attaccata da un'orda di demoni sì però quello che voglio sapere quando tu dici un mm. attacco diabolique, à quoi réfères Qu'est-ce tu Je veux savoir, quand tu dis attaque démoniaque, qu'est-ce que tu as vécu en fait euh, Au niveau de la tête, ils ont attaqué au niveau de la tête, J'ai jamais eu des douleurs euh, pareilles. Avec tous les problèmes que j'ai eus, c'était ce qu'il y avait de plus fort, j'étais vraiment en enfer. J'étais vraiment à enfer au niveau de la tête, je n'ai jamais eu de douleurs Così forti. Ok, e per ultimo mi dici che ti sei vaccinata, però non stiamo parlando di Covid, parliamo di altri tipi di vaccini per poter lavorare da qualche parte e da quel momento hai avuto una malattia. Ecco, parlamene tu. tanto me tu mi dici che, penso che sia par rapporto Covid, ma tu hai dovuto vaccinare il tempo e hai avuto una malattia come l'AIDS, la SIDA. Oui, à 25 ans. À 25 ans. Pendant 10 ans. Oui, mais ce n'est pas le sida, mais c'est une maladie qui détruit l'apparato euh, immunitaire, non? Ce n'est pas le vrai sida, mais c'est juste une maladie qui détruit le système immunitaire, c'est ça? Oui, ils ont dit famille avec le sida, les cousins du sida, ils ont dit. Et de la famille de l'AIDS. La, la, Et comme si comment sappelle est Comment est-ce qu'il s'appelle? Euh, là, je n'ai pas eu de non, on m'a dit euh, parce que j'avais je... peur de contaminer et on m'a dit non, celui-là, il n'est pas contagieux, mais c'est le cousin du sida. Mais ils ne m'ont pas donné de nom. Ils ne m'ont pas donné de no, ma nom, mais ils m'ont dit que ce n'est pas contagieux en tout cas, mais c'est le cousin de l'AIDS. Oui, si, mais nous ne parlons pas de virus, nous parlons d'un développement d'une pathologie pour le vaccin, non? Euh, on n'est pas en train de parler d'un de virus, mais juste c'est un développement d'une maladie à cause du vaccin, c'est ça? Oui. E quindi non c'è un rapporto, essendo due cose completamente diverse. Ma sono due cose completamente diverse, ma penso che abbiano più o meno gli stessi sintomi. Sì, gli sì, sì, stessi sintomi, ah. ma una cosa è il virus e una cosa invece è una sì. patologia. No? Okay. Dico che è una patologia, non <ride> è un virus. Ok, mm. metti di comoda e cominciamo. Mettiamo a l'aise e on. Grazie. Si on lui dit de baisser la caméra, ça sera compliqué. Mm. Est-ce que <ride> vous pensez de pouvoir baisser un petit peu la caméra? Oui, parce que... Pas le son, hein? Ah, oui, pardon, no, pardon. Pas le son. Just juste la caméra... Voilà, oh. un petit peu... Si tu toujours déconnecté, oh, Pardon. Je tremble avec ces choses. On risque de perdre toute la communication. Non, ok, voilà, c'est bien. Ok, bien, chiudi les yeux, Patricia. Fermi gli occhi, Patricia. Le <coughs> oui. Li riaprirai a fine sessione. Tu dovrai riaprire gli occhi che alla fine della sessione. Bene, adesso ti spiego delle cose, ma io non voglio che tu mi dica sì, sì, oui, d'accordo, o muova la testa per farmi capire che mi segui. Voglio soltanto che mi ascolti. Maintenant, je vais t'expliquer des choses, mais il n'y a pas besoin que toi tu me dis oui, ok, d'accord, ou tu bouges la tête pour me faire comprendre qui tu me suis. Je veux juste qui tu me suis. Bien. D'accord. Non. Bien. Et maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Très important que tu segues mm, dans le détail les instructions. C'est très important que tu me suis dans le détail ou mes instructionss c'est loquace. je vois que tu as en façon de parler beaucoup mais pendant l'hypnose il faut que tu parles le moins possible mettre à dormir la de la mente il faut endormir la partie rationnelle de l'esprit Alle mie domande, con frasi corte. Du coup, à mes questions, tu dois répondre avec des phrases courtes et sans Et tu dois pas réfléchir. Et si je te donne deux réponses, à laquelle tu peux choisir. Tu ne dois pas réfléchir et tu dois me donner tout de suite la réponse. Bien, commençons. On commence. Prima di nella session e un esercizio. Avant de commencer la vraie session, on commence avec un exercice. Que serve a me per capire quali sono i Ça va me servir pour comprendre quels sont tes canaux préférentiels. E a te per sapere come lavorare in sessione. E ça va te servire, a toi, per comprendere comment lavorare pendant la sessione. Benissimo. Adesso, per cominciare l'esercizio, vai ad un sogno. Buongiorno. Per cominciare l'esercizio, tu dois andare ad un rêve. Questo sogno di cui mi parlavi del gatto, dei gatti. Le rêve de laquelle tu me parlais où il y avait tes chats. Sei in sogno, Quand tu te trouves à l'intérieur de ce rêve, tu peux me le dire. Beh, sei già nel sogno. Tu te trouves dans le rêve. Lo stai già ricordando. Tu es déjà en train de, le, de te rappeler. Sei in un posto chiuso o aperto? Es tu in un endroit o È tutto noir È tutto oh. nero adesso. Sì, perché non siamo ad adesso non dobbiamo entrare in ipnosi. Maintenant, tu ne dois pas rentrer en hypnose. Adesso voglio solamente che tu ricordi. Je veux juste que tu te rappelles. Mi hai raccontato il sogno, quindi vuol dire che te lo ricordi. Tu viens de me raconter ton rêve. Du coup, ça veut dire que toi tu rappelles ton rêve. Ben, adesso devi fare la stessa cosa. Maintenant, il faut que tu fasses la même chose. Faccio delle domande et mi rispondi. Je te pose des questions et toi tu me réponds. Mm? il si svolge in un posto chiuso o all'aperto? Ce rêve, ça déroule dans un endroit ouvert ou fermé Fermé. Que sont Parfait. Questo posto chiuso est grande ou piccolo? Cet endroit fermé, il est grand ou petit? Pas très petit. Non, molto piccolo. Ben. C'est caldo ou freddo? Il y a froid ou chaud? Froid. Oh. Freddo. C'est qualcuno ou sei sola? Y a-t-il quelqu'un ou es-tu seul? Sans penser. Je Et ce sont les Quanti gatti? Il y a combien de chats Deux. Deux. Bien. Continue à raconter, qu'est-ce qui se passe Continue, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe Si tu te à pianger, pianges, non te préoccuper. Si tu as besoin de pleurer, ne t'inquiète pas, tu peux pleurer. Mais continue à raconter. Mais tu peux continuer à me raconter. Qu'est-ce qui se passe ils agonisent. Agonisano. Toutes deux Les deux Oui. OK, quand ils agonizzano, qu'est-ce que ça signifie Comment oui. si. ils le font Dans quelle position quand... sont-ils Quand tu me dis qu'ils agonise, raconte-moi comment ils sont en train de le faire et dans quelle position sont-ils Recroquevillé. Oh, ah, croc mm -hmm. bon. okay. ah. A croccati. OK. Maintenant, faisons une chose. Je compte de 1 à 3. Maintenant on une chose, je vais compter de 1 à 3. E la tua mente ti porta subito alla causa della loro agonia. E ton esprit t'amène tout de suite à la cause de leur agonie. Un, due, et trois. Chi li sta facendo agonizzare o cosa? C'est qui ou quoi qui est en train de le faire agoniser. Non lo so. Va bene, allora continua a guardare i gatti che agonizzano. Allora continue a guardare i gatti che agonizzano. Bene. chiedi a uno di loro mentalmente che cosa succede. Demande à parmi les deux avec ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Dimmi soltanto la risposta che ti arriva in mente. Et dis juste la réponse qui arrive à ton esprit. Che ti dice? Niente? No, yeah. Niente. Allora facciamo così, facciamo una modifica del sogno. OK, on fait comme ça, on fait on va modifier le rêve. Maintenant, tu, tu dois prendre avec ta main une des deux chats, avec l'autre main l'autre chat. Quand tes chats hai sont dans tes mains, tu peux me le dire. Oui. Maintenant, tu dois passer une énergie aux deux chats qui va les tranquilliser. Regarde, guarda, regarde, ils sont déjà en train de se tranquilliser. Adesso sono tranquilli. Maintenant, ils sont tranquilles. Maintenant, ils sont tranquilles. Viens Maintenant, caresse un peu sur la tête. Maintenant, tu peux lui caresser la tête Bien, dis-moi comment li vedi les vois dimmi come le moi tu maintenant Je ne vois pas. Je ne vois pas. Vraiment, les gars, tu les as en main, non T'as as déjà dans les mains, c'est ça? Mais c'est comme si mes mains, mes bras, ils s'allongeaient. Mais et je ne suis pas pro proche. Et comme si les mes bras s'allongassent et je ne suis pas proche. Oui, mais non, ne les pas non Du coup, tu l'as pas pris dans tes mains? Je les touche, mais de très loin. Les tocs de madame, de très loin. Ah, va bien, si, Ça va très bien, tu peux les caresser sur la tête. Oh, quando li vedi tranquilli dimmelo. Quand tu vois tes chats rassurés, tu peux me le dire. Je vois pas. Non les vedo. Va bene. Sono tranquilli. Bien, ils sont tranquilles. Adesso però vai a quel ricordo in cui vedi uno dei tuoi gatti che gridava. Mentionnez-moi le souvenir dans lequel tu vedi une des deux chats qui criait. vais tu le chat qui crie? Je l'ai pas vu. Ça s'est passé dans mon salon, en no. fin d'après-midi. C'était pas un rêve, c'était la réalité. Non l'ho visto. È successo nel mio salone un pomeriggio verso un fine di pomeriggio. Non era un sogno ma la realtà. Sì si, sì, si, infatti. Vai lì nel salone. Sì, si, oui. Tu dois aller là dans le salon. Observe quand il mm crie. -hmm. Tu dois observer quand le chat il crie. C'est lì. es tu là je le vois pas. Non mais. Si que tu le vois. Oui, tu le vois. Il y a un chat qui crie en face à toi. Et l'autre, est où est-il Il est pas là. Non, est il est. Appelle-le. Appelle-le. Bien, lui arrive Lui, il va arriver tout de suite. Quand il arrive, dis-moi. Quand le chat est là, tu peux me le dire. Ok. Vedi? Sono in guanti insieme, vabbè. Ok, allora rimani lì tranquilla, eh? Resta là tranquilla. Adesso io comincio a lavorare con Barbara. Adesso io comincio a lavorare con Barbara. Quello che tu devi fare è stare molto attenta e concentrarti su quello che diciamo. Ce che tu devi fare è de stare molto attenta e concentrarti su quello che diciamo. Mm -hmm. Perché voglio che tu visualizzi quello che diciamo. je veux que tu visualises ce que nous on va dire poi ti que sta stai parce que après je vais te poser des questions au niveau de ce qui se passe et ce qui tu es en train de visualiser Ok, bah voilà. Bah, bah, bah. mm. mm. la laisse-moi avec la partie subliminale de patricia laisse-moi avec la partie subliminale de patricia Pat. Et pour euh, être paratique, je vais appeler Pat. Patre, on Patre, <laughs> ok. Patre. Mm. Oui. Hey Pat, comment ça va? Je sais pas trop. Non, le sens. Tu te souviens de moi, non? Tu te rappelles de moi? Mm. Non. Je suis calot. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais so pas qui c'est. Et allora, mi hai chiamato? alors, pourquoi tu m'as appelé Alors, pourquoi tu m'as appelé Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Ok. Pat, per... où sont Où sont-ils tes chats Je ne sais pas. Je ne le sais so. pas. Hmm. Perdus. Merci. Mm -hmm. Patre, andiamo indietro nel tempo, facciamoci una passeggiata. On remonte le temps et on va se faire une promenade. Andiamo nel momento in cui sei nel ventre di tua madre. On va dans, on va dans le moment dans lequel tu te trouves à l'intérieur du ventre de ta mère. Hum, mm. come caldo freddo. Come l'air, ça fait chaud, froid. Euh, je sens pas. Non, ça ne sens pas. Et en quelle position es-tu Dans quelle position es-tu euh, J'ai le dos contre le dos et les jambes pliées, les genoux contre le ventre. Oh, la schiena contre la schiena, les jambes pliées et les genoux contre le ventre. Mm, C'est confortable. Es-tu à l'aise Non. On peut changer de position. Eh? Veux-tu changer de position Oui. Ah Change-la, oui. Ok, Et... sai à travers le cordon ombilical, peux communiquer avec ta mère. Sais-tu que par travers le cordon ombilical, tu peux euh, communiquer avec ta mère? Non, mm, no, que non, qui non le ou non faire? Non, qui tu le sais pas ou tu veux pas le faire? Non, je le sais pas. Non, non, le sens. So. Mm. Et comment ressens tu ta mère Indifférente. Indifférente. Ok. Et alors, va vers la fine de la gravidanza, quand tu es déjà quasi prête pour venir au al monde. Alors, tu dois aller vers la fin de la grossesse, quand tu es presque prête de venir à ce monde. Beh. Oui. Come senti la mamma? Comment la maman Comment ressens-tu ta mère Toujours froid. Plutôt, tu dirais, fredde. Mm -hmm. Et tu, comment tu te sens Comment ça te fait sentir Et cette chose, comment est-ce qu'elle te fait sentir Mal. Vale. Mm, mal. Et tu as demandé à travers ton cordon obélical à ta mère pourquoi elle est si froide As-tu ah, demandé parmi ton cordon obélical ton pourquoi ta mère est si froide non, je ne suis pas intéressée pour parler à cette personne. Non, je ne suis pas intéressée à parler à cette personne. Oui, je comprends, mais c'est juste pour être curieux et savoir pourquoi elle est tellement froide avec toi. Qui est-il Qui est-il Il me dit ce qu'elle te répond. Demande-lui et tu me dis qu ce qu'elle te répond. D'accord. Je ne l'intéresse pas. Non, elle ne l'intéresse pas. Allora chiedile per curiosità e poi andiamo da un'altra parte se non le interessa eh, essere madre perché ti ha concepito. Allora domande lui per essere curioso se non è interessato ad essere madre perché l'ha cuscato. Perché l'ha fatto nascere? No, non aveva choix. Non aveva scelta. Ah, si, tu vois, ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé Elle me dit que c'était pas possible. Elle me dit que ce n'était pas possible. Va bien, ok, andiamoci dans l'autre part. Patre. Ok, Patre, on va dans un autre endroit. Adesso, oui. al, al mio tre, andiamo alla causa esoterica della tua mancanza di energia. mon ah, trois, on va alla la cause della de la mancanza d'énergie. On lui. Di... OK, dove siamo qui, padre? Nous sommes là. Ehm sono un noir. Sono in un posto nero. Ho oh, ancora il cordone. Ah, che sei ancora nel grembo. Tu es, tu es encore dans le ventre de ta mère. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est le ventre de ma mère, mais je suis dans la même position et j'ai un cordon, un cordon, mais il est, euh, je crois qu'il est plus haut. Non so si je suis dans le ventre de ma mère, mais je suis dans la même position c'est un cordon, mais je crois qu'il est plus in alto. Ok, alors faisons così: de dall'esterno et dimmi tu se sei dans le grembo de ta mère ou da un'altra parte. Ok, alors on fait comme ça. Regarde toi-même depuis l'extérieur et dis-moi si tu te trouves à l'intérieur du ventre de ta mère ou ailleurs. Euh... Non, c'est une tombe. C'est une tombe. Une tombe. Et c'est une tombe. Et questo... c'est avant ou après d'être dans le ventre de ta mère? Avant. prima. Prima. Ok, allora facciamo così. Andiamo un po' indietro nel tempo per capire come ci sei entrata in questa specie di tomba. Ok, allora facciamo così. On, on mm. remonte un po' il tempo giusto per comprendere come tu sei entrata all'interno di questa tomba. Oui? Bene. Mm -hmm. Sei maschio o femmina? E tu, femme-homme? Ah, je ne sais pas parce que je suis un bébé. Non, je le je suis un bébé. C'est un bébé. Mais c'est dans le ventre de ta mère ou c'est déjà Es-tu dans le ventre de ta mère ou es-tu déjà née Non, dans le ventre. Dans le ventre. Mm -hmm. Et non hai tu n'as pas encore un sexe Non. Ok. Demande à la maman mentalement quel année Demande avec l'esprit à ta mère, dans quelle année on se trouve 1972. 1972. Mm. Ok. Avance ben, et dis-moi qu ce qui se passe. Qu qui se passe. Euh, je suis comme euh, aspirée, parce que je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression d'être aspirée. E io me in una tomba. Ho oh, l'impressione di essere aspirata, non so come spiegarlo. Mi sento aspirata e mi ritrovo in una tomba. Ok. Mm, Ma c'è un altro oh, tubo là, non so quale tubo sia. Ok. Bueno, eh, vieni al tempo presente da dove io sto parlando. Reviensi al tempo presente da dove sto parlando. Bene, sei ancora in quella tomba o no? es tu encore, à l'intérieur de cette tombe ou pas Non. J'ai toujours le tube. Mais j'ai toujours le tube. Ok, donc rimasta... tu es sortie de la tombe, mais tu es Il est resté le tube connecté avec toi, juste Du coup, tu es sortie de la tombe, mais il y a le tuyau encore mm. connecté avec toi. Oui, et j'ai okay. toujours mal aux jambes. Et j'ai toujours mal aux jambes. Ok. Adesso chiama il proprietario della tomba che non c'è più. Du coup, maintenant tu puoi le il proprietario della tomba che non c'è più. Oui. Chi è arrivato? C'è chi che è arrivato? Mm. Un alligator. Un coccodrillo, alligator. Ok, e chiedigli dove sta quella tomba o quel contenitore dove stavi prima. Et demande-lui où se trouve la tombe ou le conteneur où tu étais avant. En Russie. En Russie. E da e et de plus Et demande-lui pourquoi maintenant tu n'es plus à l'intérieur de ce conteneur et tu es plus à l'intérieur. Parce que j'ai grandi. Parce mm -hmm. que tu as grandi. Donc, maintenant, en ce moment où je te parle, tu es en Russie ou non et maintenant, dans ce moment dans lequel je te parle, tu te trouves en Russie ou pas Non. Mmh. Vu, Où es tu Où tu es Je ne sais pas. Je n'ai de... rien qui pour, me... pour me dire ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai rien pour me dire ce que c'est. Ok. Alors, dis-moi dans quelle partie de ton corps est connecté ce tuyau Entre les deux seins. « Trai due seni. »« Ok. Et adesso vai a vedere dove è l'altra parte opposta del tubo. »« Et maintenant, vais voir où se trouve-t-elle l'autre côté du tuyau. »« Dans la gorge du, du la de l'alligatore. »« Nella gola dell'alligatore. »« Ah. Ok. Et allora fammi parler con l'Alligator. Alors laisse-moi parler avec l'Alligator. Oui. »« Alligatore ?» Oh, wow, wow. Oui. Ah, excuse si je t'ai disturbé. Eh? Ah, désolé si je t'ai dérangé. Mm. Non, eh, ça va, ça va. Ah, va bien. Étais-tu -tu en train de dormir? Ouais. Ah, ok, eh, perché dormi? et pourquoi tu Et pourquoi tu dormes? Pourquoi utiliser ma pile? Pour ne pas utiliser la pile. Mm -hmm. quand non voui stancarti no du coup tu, veux, tu te veux pas fatiguer c'est ça oui il faut pas que je tire trop sur la batterie mm, si euh, non devo tirare tirer trop sur la batterie. Quindi vuoi batteria puis ne veu dire que cette batteria qui c'est collegato se si scarica in mm, velocemente du coup tu veux dire que cette batterie à laquelle tu es connecté va se décharger très vite oui et quant à Combien de temps elle dure euh, À chaque fois Oni volta euh, Si, quand, dure? Oui, quand tu es réveillé, combien de temps ça tient Ah, 20 minutes. 20 minutes. Mm, un peu. Ah, Excuse-moi, mais tu, en ces 20 minutes, qu'est-ce que tu fais pour consommer toute cette énergie C'est très peu. Et qu'est-ce que tu fais dans ces 20 minutes pour uh, consommer bah, toute cette énergie Je grandis. Cresco je, et je grossis et euh, ingrasso Eh mais tu si vois que tu ingresses trop rapidement. Mais apparemment, ça veut dire que tu grossis trop rapidement. Mais ça, c'est pas ton problème. Mais ce n'est pas ton problème. C'est eh, sì, Oui, mais c'est ton problème. Oui, oui, mais ce n'est pas un problème parce que je gère très bien ma batterie. Oui, sí, mais non, n'est un problème parce que je gère très bien ma batterie. Si, mais tu sais qu'il qu y a des batteries qui durent plus Mais es au courant qu'il y a des batteries qui s'en plus longtemps eh, ça, dépend, ça dépend où elle est branchée. Ça dépend où elle est attachée. Eh, Je vois que, se, que, que sternum, no? Je vois que dans cette batterie, tu viens d'être attachée au sternum, c'est ça Ouais, mais pour l'instant, c'est... Elle aussi entre un bébé et une vieille dame, alors c'est compliqué pour elle de savoir quelle force elle peut me donner. Sì, ma per il momento è a me tra una donna anziana e un bebè, quindi è complicato per lei sapere che tipo di forza darmi. Okay. Et là, pourquoi tu Alors pourquoi tu ne changes pas de batterie? Celle-là, c'est la mienne. Questa è la mia. Sì, però però si scarica già velocemente. Oui, mais c'est de charge très rapidement. T'inquiète, à la prochaine vie, je ferai autrement. Non ti À la prossima vita farò altrimenti. La prochaine vie de qui Toi la, la prochaine vie de qui La tienne Non, la sienne. Non, la sua. Perché cosa cambierà nella prossima Pourquoi Qu'est-ce que va t changer dans la prochaine vie Déjà, je ferai un mec. Bah, je ferai un moment parce que ça tient plus longtemps, parce que dure plus. Et puis on aura une discussion sur la violence, c'est ce qui va, je pense, bouger la batterie le plus possible. Et puis on aura une discussion sur la violence, ce qui, je pense, la batterie beaucoup plus rapidement. Donc, tu géreras sua réincarnation, giusto? Du coup, tu vas gérer sa réincarnation, c'est ça Beh, Bien sûr. Sicuramente. Ah ok. Sente. Alors faisons une chose. Vérons combien dure une batterie masculine. Ok. On fait un On va voir combien d'autant ça... sertie une batterie masculine. Attaque-la la lei et attaque-la me. moi. branches la batterie chez elle et branche-la chez moi. D'accord. Mm -hmm. Où la stai qu'elle est attaquée? Où es-tu en train de la brancher? Dans le sternum entre les deux seins. Sempre sternum entre les deux seins. Pourquoi dans l'esternum? Parce que c'est là que l'énergie. Parce que c'est là que l'énergie. Mais regarde que j'ai aussi de l'énergie d'autres endroits. Mais c'est celle-là que je contrôle, parce que c'est l'énergie des sentiments. Mais c'est celle que je contrôle parce que c'est l'énergie des sentiments. Il n'y a rien. Ok, mais je les sentiments les sens dans le ventre. Moi, les sentiments, je les ressens dans le ventre. Mais Moi, les sentiments sur toi, je les ressens pas beaucoup. Et les sentiments sur le terre, je les ressens beaucoup. Eh, c'est sûr, parce que c'est attaqué dans l'osternum. Ah oui, c'est clair, parce que tu es branché au sternum. Mm, Alors, Prova. je vais le brancher ailleurs. Alors, je le tacque dans l'autre partie. Si, à l'ombellico. À l'ombril. Ouais. Ouais. Ok, attaque, attaque. Branche. Ok, comment va Comment va-t-il Il bah, y a de l'énergie, mais c'est pas la mienne. Hein? C'est de l'énergie, mais non, pas la mienne. Certo, è la mia, ovvio. C'est clair, c'est la mienne, c'est clair, clair. Oui, ralenti, ralenti, là, c'est, c'est trop fort. Um, rallenta, è troppo forte. Okay. Ah, mais tu es en trop bonne santé. Ah, c'est trop buona salute. Attends, 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 attends. E prima dicevi che la batteria durava 20 minuti, adesso dici che va troppo forte? Attends, avant tu me disais que la batterie ça 20 minutes, maintenant tu me dis qu'il ça va trop fort? C'est trop fort, il tu malade. Tu vas eh. bien crever? <ride> <laughs> È troppo forte, bisogna che sia malato, uh, dovrai morire presto? Ah, ok, quindi tu cerchi persone con un sistema immunitario debole, giusto? Ah, ok. Du coup, tu cherches des personnes avec un système immunitaire faible, c'est ça Oui. Ah, ok. Ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton cas. Oui, mais ça durer peu Oui, mais après, elles ne durer pas durer longtemps. Eh, mais c'est contrôlable. Là, c'est difficile de te contrôler. Mais c'est contrôlable, et donc c'est difficile de contrôler. Ok, attends. J'ai même l'impression que c'est le contraire. Ho oh, come l'impressione che sia il contrario. Eh sì, sì, infatti è il contrario. Beh, se sa, c'è il contrario. Mm. Sono, sono io che ti pas. controllo. C'è moi che je te contrôle. Eh, sì, sì. Mais j'aime pas. Ma non, lo, non mi piace. Eh, lo so che non ti piace. Et eh, je sais que tu n'aime pas. Tu pensi che a padre piaccia che tu la controlli? Penses-tu que padre aime que tu la controlli? Je m'en fous de son avviso. Bah, me ne frego della sua opinione. Eh io me ne frego della tua. Et, je, et moi, je m'en fous de la tienne. Et voilà. Mais tu m'as piégé. Mi hai messo in trappola. Certes, comme tu as messo in trappola lei. Claire, comment tu, tu as mis un piège elle. Et alors, t'es quoi T'es un punisseur, c'est ça Et cosa sei, un punitore Si, gestisco pure la tua reincarnazione adesso. Oui, euh, je vais gérer si ta reincarnazione. Ah non Si, si. ne si. pas Non giocare. Si, si, ti faccio nascere ferme, oui, je, te, je vais te faire naître femme. Eh, oui, ah, mi... no. sì, sì, di je me diverte de plus avec les femmes. Je ne m'amuse okay. plus avec les femmes. Non, 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 no. je vais débrancher. <ride> non, je veux staccarme. Bien, maintenant, restez calme et tranquille que je dois travailler. Maintenant, tu dois rester calme et tranquille parce qu'il faut que je travaille. Bon, bueno. ah. Patricia, observe comment je suis io avec cet alligator. Patricia observe comment je suis connecté à cet alligator. Moi, à l'alligator. Le tube de quelle couleur est le tuyau qui me connecte C'est de quelle couleur Clair ou Clair ou foncé. Je vois pas. Non, mais non. Je t'avais dit de choisir entre mes réponses. Clair ou Clair ou foncé. E ti avevo detto di non pensare. E ti avevo detto di non pensare, Claire, pardon. Chiaro, scusa. Perfetto, bravissima. Très bien, bravo. È lungo o corto? C'est è lungo long. o mm corto? -hmm. Lungo, L'alligatore è più alto o più basso di me? L'alligatore è più grande o più piccolo di me? Più grande. Più grande. Adesso io mm, lo faccio diventare più piccolo. Maintenant, je vais le faire devenir plus petit. Al mio tre è più basso e mi arriva alle ginocchia. A mon trois, il est beaucoup plus petit il arrive à mes genoux. Un, deux, trois. Bene. E adesso che mi arriva alle ginocchia, come lo vedi? E maintenant che fait la taille de mes genoux, comment le vois-tu? È triste o felice? Il est triste ou il est heureux? ni' l'un ni l'autre. Né l'un ni, ni l'autre. Bene. Et de colore è? Et est Et c'est de quelle couleur vert. Verde. Adesso la faccio diventare marrone. Maintenant je vais le faire devenir marron. Adesso est marrone. Maintenant eh. il est marron. Et la testa fuxia. Et sa tête euh, violet. Et les unghies verdes. Ses ongles vertes. C'est bello così eh? Ça te plaît comme ça Bien beau. Yeah, non molto. Non molto? Mm. Sì o no? Oui o ou no? No. Parfait. Bravissima. Prego, bravo. Questo non l'ho fatto io. T'as vu? C'è ça? Non c'est pas moi a l'avoir fait. L'hai fatto tu. C'est toi qui l'ha fait. In questa sessione mm, io faccio l'intermediario. Tu mi stai permettendo di lavorare, quindi io lo faccio come intermediario. Dans, pendant cette session, moi je fais que une intermédiaire. Toi, tu me permets de travailler, du coup je fais l'intermédiaire. Parce que cet être se trouve dans ton espace, pas dans le mien. Parce que quand quelqu'un se trouve à l'intérieur de ton espace, est soumis à ton pouvoir parce que toi tu es. E io solo te lo sto mostrando. Moi je suis là juste pour te montrer ça. E adesso addirittura lo faccio sparire. Et maintenant je le même disparaître. Lo distruggo nel mio spazio. Je vais le all'interno de mio spazio. Cioè, non lo voglio più nel mio spazio, quindi lui sparisce, non ha più il mio permesso. Ça veut dire que moi, je ne le veux plus à l'intérieur de mon espace. Du coup, lui, il va disparaître de mon espace. Un, deux, trois, détruit. T'as vu Non, c'est plus. As-tu vu Il n'y a plus. dis Vedi anche, vedi pure vedi. Est le tubo, ou non Dis-moi. Est-ce que le tuyau est resté je ou pas, je vois pas. Non vedo. Eh, tu basta che scegli tra le mie due risposte, se non lo vedi significa che non c'è. Il faut juste que tu me choisisses entre mes deux réponses. Si tu ne le vois pas, ça veut dire juste qu'il n'y a pas. Quindi è rimasto il tubo, sì o no? Le tuya est resté, oui ou pas? No. Oh, parfait. Quindi già tu sai che tu puoi distruggere qualsiasi entità dentro te. Parfait, du coup maintenant tu sais que tu peux détruire n'importe quelle entité à l'intérieur de toi-même. et mm C'est -hmm. seulement un acte de volonté. C'est juste une prise de conscience. Tu lui enlèves la permission. tu lui la permission. Donc, pour capter comment tu lui as donné la permission, on va voir ce qui s'est passé. Mais maintenant, pour comprendre comment tu lui as donné la permission, on va voir qu ce qui s'est passé. Beh. Barbara lâche mes Barbara, lascia me Pat. Ah, oui. mm -hmm. ok. Ehm... No, 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 Pat, lasciami con me, Barbara. Eh, no, Pat, lasciamo me con Barbara. Barbara. Oui. Oui. Facciamo una cosa veloce, andiamo a vedere cos'è successo quando lei ha sviluppato quella specie, una sorta di patologia che indebolisce il sistema immunitario. On va faire une chose, on va voir qu'est-ce qui s'est passé au moment dans lequel elle a développé la maladie qui va affaiblir son système immunitaire. Oui. Barbara? Que dit, Que vois-tu, Barbara Je vois que c'est une décision du corps. Et je vois que c'est une décision du corps. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui l'a spinto à décider questo? ça qu Qu'est-ce a poussé le corps à choisir ça Arrêter la vie. Quoi la vie. Arrêter la vie. Ah, se mettre la vie. Ok, e, e Donc le, le no? okay. elle ne veut plus vivre, elle veut partir et elle est en train de mm. fermer les portes. Et y a-t-il une relation avec les vaccins, ou le vaccin ou les vaccins à qui elle a été soumise pour pouvoir travailler C'est une conséquence dans la matière de la volonté du corps, mais c'est là depuis qu'elle est née. È una conseguenza della materia dalla parte del corpo, ma è da, esiste da condannata. Ok. Il fatto che la sua parte subliminale faccia fatica a ricordare eh, dipende da questo, mh, diciamo, indebolirsi energeticamente? Le fait che sa parte subliminale ha du mal a se rappelerà, ça dépend da questa faiblessa fisicamente? Oui, perché. Vale. Que... Pardon. Ma... Pour le... pour la partie subliminale euh, elle est elle passe juste d'un corps à l'autre pour elle c'est juste des comme des enveloppes elle est il n'y a pas de il a pas de, de côté tangible à la vie elle, elle voit pas l'incarnation comme nous on la voyons si parce que pour la partie subliminale comme passer simplement d'un corps à l'autre qui vede comme des mm -hmm. custodie et non a le sens de l'incarnation comme la voyons okay. parce qu'elle est toujours reliée encore donc à l'être qui pourrait le... participer à sa vie Parce okay. okay. qu'elle est toujours liée à ce cordon ou à l'être qui pourrait être dans cette vie. Pourquoi son la voit soit comme une soit Et pourquoi l'interférence la voit-elle soit en même temps une dame ou un petit bébé Parce que l'origine, c'est dans la tombe. Euh, quand elle est bébé ou quand elle est juste un fœtus, je ne sais pas ce qu'elle est exactement. Et en fait, euh, il, lui, c'est sur les corps qui prend l'énergie, en plus de la partie subliminale. Parce que l'origine est sur la tombe ou sur le bébé, je ne vois pas quelle est la partie originale. Et lui, prend l'énergie simplement du corps physique. Ok, donc il prend l'énergie du corps physique de Patrizia. Così come la vediamo sullo schermo. Du coup, il récupère l'énergie de Patricia là, comme on la voit sur l'écran, c'est ça Oui. Et la partie et qu'il la partie qu'il voit comme un bébé, il est quoi et il se trouve où ah, Il est, est, sur part, est sur une partie. C'est une partie subliminale. C'est pas une partie physique là. C'est une partie subliminale et on pas une partie physique. Ah ok. Ok. Alors, pourquoi la partie subliminale est représentée comme un bébé et pourquoi sa, la partie subliminale euh, vient représenter, euh, prend la forme d'un bébé Parce que c'est de l'axe c'est sa première euh, interférence. Ah, parce qu'elle a sa première interférence. Vale. Ok. Et dis-moi s'il y a une relation entre et eh, le qui criait. Et dis-moi s'il y a-t-il une en relation entre cette interférence et le chat qui criait. Oui. Mm, che succedeva? E che se è passé? Il le voit. Eh uh, vede, lo vede. Il gatto lo vede e quindi grida per paura o cosa? Le chat le voit, e du coup il crie per peur ou pourquoi? Euh, oh. paura. E perché l'altro invece non gridava? E perché l'altro chat non criait? Eh, uh, il était pas là, là In quel momento non era lì. Ok. Ehm Qu'est-ce qui s'est passé au moment dans lequel elle a vu ses chats pendant le rêve, pendant une agonisation En fait, c'est tout, tout n'est qu'illusion. Je vois vraiment par l'intermédiaire de ce tuyau, je vois vraiment l'interférence qui envoie des images qui vont déclencher une, un, un courant énergétique violent dans le corps. È tutta un'illusione. Vedo l'interferente che passa attraverso questo tubo delle immagini che gli fanno uh, scatturare queste sensazioni nel corpo. È per, nel sogno, là, È per questo che lei non riusciva a prenderle durante il sogno perché non sono lì, eh, non esistono. Ok, ultima cosa e cominciamo a lavorare. La dernière chose, on commence a travailler. Eh, questo interferente si è collegato a lei per alimentarsi eh, prima del, dell'indebolimento del suo sistema immunitario? O già il sistema immunitario era debole quando si è attaccata a lei? L'interferenza si è connectata a lei per se nourrir prima della sua faiblessità uh, immunitaria? O il già era là? Il était déjà là. Il était déjà là. Donc, cet interférent a toujours des problèmes de peu de temps de recharge, non? Du coup, l'interférence, il a eu tout le temps des problèmes au niveau du temps de la recharge de la batterie. Oui, oui, depuis bébé, je le, enfin, je le sens quand j'étais dans le ventre de la maman, on sent sur les jambes qu'il y a quelque chose, le tube, il est bizarre, celui dont tu parles. On sent qu'il est déjà relié. si d'abord de... dans le bébé. Uh, sento che c'è qualcosa di strano il tubo che li collega è strano e sento c'è qualcosa nelle gambe di strano che, che non va ok lasciami con la parte subliminale con patre la bebé laisse moi avec la partie subliminale Patrick, de, quand elle est bébé. patre oui hm. io so che vuoi rinascere e in un altro corpo Je veux, je sais que toi, tu veux renaître dans un autre corps. Oui. Et du coup, tu es en train de pousser le corps physique de maintenant, de terminer le plus tôt possible pour pouvoir renaître le mm. plus rapidement possible. Oui. Mais tu sais ce qui se passe ma ah, tu sai sì, che si passa? anzi no, te lo faccio lo vedrai tu cosa succede? Sei tu che vai a vedere che si passa adesso facciamo due cose e tu poi prenderai una decisione adesso no, vado a fare due cose e tu vai a prendere una decisione d'accordo. vai a vedere quando te lo dico io vai a vedere prima il tuo futuro mh? quando rinascerai di nuovo reincarnata e così uccidendo piano piano il tuo corpo fisico di adesso Tu dois quand je vais te dire, tu dois aller voir ton corps physique, la vie après ton corps physique, qui va pendant que tu as tué petit à petit ce corps-là. Ben, uh -huh. vas-y le voir. Ben, dis-moi, es-tu un homme ou une femme? Dis-moi, es-tu une femme ou un homme? Un homme. Bon, mm, guarda, il tuo interferente ha saputo gestire la tua Il un homme et un homme. Ton interférant, il a gérer ta réincarnation. Il voulait un homme et tu es un homme. Oui. Bene. Et dis-moi, la tua vita è bella? Ti piace? Et dis-moi, est-ce que ta vie te plaît? Non, je bois beaucoup. Bevo molto. Quindi, mm, quindi non ti piace. Diciamo, non era quello che ti aspettavi, no? Du coup, ça te plaît pas. C'était pas ce que tu t'attendais. Non. Non. Ok. E adesso torna indietro, al presente, da dove io ti sto parlando di nuovo. Mentre non, rivolgo al presente, quale ti parlo. Oui. Bene, adesso però facciamo così. Adesso tu annulli la decisione di uccidere il tuo corpo fisico, eh? in modo da essere forte e potente, per vedere poi cosa succederà nella tua prossima vita. Maintenant, tu dois annuler la décision de tuer ton corps physique pour avoir de la force et de la puissance et voir qu'est-ce qui se passe dans cette vie physique. Quand ton système immunitaire est bello fort, parce non c'est plus la tua la tua volontà di indebolirlo. Quand ton système immunitaire est fort et parce qu'il n'y a plus la volonté de le tuer, tu peux me le dire. Je trouve pas là. Non, je Non, trouve pas. Tu ne trouves pas quoi Je ne trouve pas le système immunitaire puissant là. Non, ne trouve pas le système immunitaire fort. Alors, faisons comme ça. Va encore plus en arrière dans le temps et va à quelques moments avant que tu décides d'en Alors, on fait comme ça. Tu vas encore un en arrière dans le temps et tu dois aller à quelques instants avant di prendere la decisione di de far divenire faible il tuo sistema immunitario. Mm -hmm. Benissimo. Ah, uh, oui. Ok, adesso che l'hai fatto rimani con questa decisione, cioè ehm, non tentare di indebolirlo, vai avanti con il tuo sistema immunitario normale e dimmi che succede. Maintenant que tu l'as fait, tu dois plus prendre la décision d'affaiblir ton système immunitaire. Garde ton bon système immunitaire et dis-moi qu'est-ce qui se passe après. Le tube me fait mal. Et Le tube me fait mal. avez déjà le tube déjà le tube Quand je t'ai dit de ne pas prendre cette décision d'indebulir le système immunitaire, le tube déjà c'était. Le tuyau, il était déjà là quand tu as pris la décision de affaiblir ton système immunitaire Oui, je suis née avec. Je suis née avec ce tubo. Ah. Ok, alors va indietre dans le temps et va au moment où le non n'est encore à ta Alors tu dois remonter encore le temps et aller au moment dans lequel le tuyau n'est pas branché à toi. Oui. Bene. Tu sais Es-tu là Oui, je suis là. Si, son lit. Oui. Perfetto, dove sei? Hai un corpo sulla Terra o no? Où hai un corpo fisico sulla Terra o no? Qui. Sei uomo. Io sono un fetus. Sono un feto. Ok, e allora, eh, visto che questo tubo ancora non è stato attaccato, non lo accettare nella tua vita, cambia decisione e eh, rimani sempre senza il tubo. Vu que le tuyau n'a été pas encore branché, tu ne dois pas l'accepter, tu dois changer de décision et tu dois rester pendant toute la vie sans ce tuyau. Mm. Et pure la décision de ne pas ton système immunitaire. Et tu dois prendre la décision aussi de ne pas affaiblir ton système immunitaire. Benissimo, oui. benissimo. Alors, avec ces con conditions, mm, sur cette ligne temporale sur laquelle tu es saltée, arrive ici au présent de la parles. Avec cette condition dans la ligne temporelle dans laquelle tu es sautée, dis-moi tu dois venir dans cette ligne temporelle-là où nous est. Oui, je suis. Dis-moi, comment vas-tu Je suis oh. bien. Je suis bien. Et où est il Où est-il l'alligateur Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. mai accettato. il n'y en a pas parce que tu ne l'as jamais accepté. Mm? Eh, Et pour le tube c'est ça. Vois-tu mm. le tuyau Parfait. Ok. Et cette vie présente, avec ces conditions comment est cette nouvelle condition, comment com est Ça te plaît l'aime bien. Je piace. Ben, et guarda la tua prossima vita. regarde ta prochaine vie. Où si. elle est loin Elle est loin. Et homme tu homme ou femme Femme. Bon. Eh, et tu piace la ta vie Ça te plaît, ta vie Oui. Parfait. Alors, dis-moi, veux-tu con rester avec ces conditions ésotériques ou veux-tu retourner aux conditions de primaire Et dis-moi, tu veux garder cette condition ésotérique ou tu veux revenir aux conditions d'avant Non, je reste comme ça. Non, reste okay, allora, comme ça. Ok, parfait. Alors, laisse-moi avec Barbara. Barbara déconnecte. Oui. Ok. <coughs> Patricia, cosa hai visto? Que as tu vu Patricia? Cosa no. hai sentito? C'è qualcosa che appui fortemente sul mio ventre e sono obbligata ad andare a fare io devo andare in toilette. C'è qualcosa che spinge forte sul, mi mio, sul mio ventre al livello di farmi disconcentrare e sono obbligata di andare in bagno. Certo, vai pure in bagno a buttare l'alligatore nel cesso, vai. Vasi, aux toilettes, j'ai t'es l'alligator dans les toilettes. Vasi, cours. <ride> Je peux y aller? Posso andare? Certo! Oui, bien sûr, vas-y. Merci. No. Grazie. Excusez-moi. Scusatemi. <ride> certo, è vero che se non capiscono cosa tu vuoi dire durante le istruzioni, non, non vanno avanti. Eh. C'è clair che si pas... Ah, ma stai parlando con me con Barbara? Parlo un po' così, sì, aspettando lei. Bah, euh, Seconde, il devrait regarder plus de sessions, tu es. Parce que si tu es tellement entité entre Aurora et Letra, si ils font la session avec toi, ils devraient regarder la toi. Alors, il faut que les clients les regardent les sessions avec la personne avec laquelle ils doivent faire la session. Parce que si lui, il a un moyen de travailler, il faut comprendre quelle est sa méthode. Bah, la méthode, c'est toujours la même. Quelle est son. Euh, moyenne de travail et du coup pendant la session c'est plus facile d'absenter les instructions. <ride> no, non, parce qu'elle ne comprenait pas, elle n'a me... jamais compris qu ce que je voulais dire. Elle n'a jamais compris ce que je voulais dire, elle ne comprenait pas mes instructions, voilà. Oui, certainement oui. Certamente si. Si je te dis de di choisir entre deux réponses que je les donne, parce que la veux indurre dans in un état hypnotique. Si je lui dis de choisir entre deux réponses, c'est parce que je veux l'induire dans un état hypnotique. Ok. Si elle ne le fait pas. C'était un grand alligator. Oui. Pourtant, j'étais au moins plusieurs fois aux toilettes, mais là, c'était l'horreur. C'était de Et pourtant, je suis restée tante fois en bagno prima, mais maintenant, c'était horrible. Excusez-moi. Alors, regarde, va avec la tête mente en bagno tu dois aller avec ton esprit aux toilettes. Dis-moi si l'alligator Dis si est resté euh, coincée dans le tuyau. Regarde, <laughs> je le vois, je le je le vois, c'est coincé. Bien. Adesso... Je ne vois pas. Non, ne vois pas. Vale. Adesso, le mio 3. Tre... Lo spingi vers la fogne. Maintenant, à mon 3, tu dois le pousser vers les aigus. En deux, 3. C'est libéré le tube Les tuyaux s'est libéré. Oui. Oui Qui a dit Le tuyau s'est libéré Ok, okay. Bah, voilà. dites-moi comment la vedi adesso avec con ces conditions esotériques. Barbara, dis-moi comment tu la vois maintenant avec cette nouvelle condition ésotérique. Alors, c'est un nouvel... Euh, il faut de nouveau apprivoiser le corps, mais ça se passe vraiment bien. Il faut de nouveau euh, réorganiser le corps pour bene. ça fonctionne bien. Observez dans son futur, la session, comment vedi il suo système immunitaire. Observe dans son futur, pendant qu'elle est en train de métaboliser la session, comment tu vois son système immunitaire? Je le trouve de plus en plus fort. Je le trouve sempre plus fort. Mm, et comme il et ces chats, comment les vois-tu? Ils sont agités parce qu'ils voyaient beaucoup de choses chez elle mais ça va. Euh, sont ils sont agités parce qu'ils voyaient tante choses à casa sua, mais ça va. Donc, maintenant, ils sont plus agités, non? Mais maintenant, ils sont plus agités, c'est ça? Non, 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 ça va. Non, adesso va bene. come comment il suo livello di comment le niveau d'énergie de Patricia? Comment vois-tu le niveau d'énergie de Patricia? Par contre, ça, c'est vraiment très, très, très haut. Et adesso questo è molto molto alto. Et son niveau de di, di concentration, mémoire et apprentissage? Et son niveau de concentration, mémoire et apprentissage? Ça va parce que maintenant elle peut rester sur des choses qui sont importantes pour elle. Elle n'a plus de distractions. Va bene perché adesso può concentrarsi sulle cose che sono importanti per lei e non ha più distrazioni. Perfetto, benissimo. Adesso disconnettete da tutto e tutti. Maintenant vous pouvez déconnecter de tous et tout le monde. Il corpo comincia a risvegliarsi. Le corps commence à se réveiller. Senti il corpo sempre più leggero. Tu ressens ton corps Toujours plus léger. Sempre plus forte. Toujours plus fort. Et, senti una di in tutto il corpo. Et tu ressens une sensation de bien-être partout dans ton corps. Après, gli occhi. Ouvre les yeux. Tu peux me lever Posso Oui, oui. Oh, pardon. <laughs> Excusez-moi, <laughs> <laughs> je suis une tête en l'air. J'en loupe pas une, pardon. <coughs> Comment vas-tu Ça va, ça va. Même si la visualisation ça a été un peu compliqué est-ce que tu as ressenti quelque chose pendant la, la session bah, Surtout que ça a grouillé dans mon ventre et que ça appuyait très fort. Pertanto, j'éta 10 fois in toilette per non avere questo problema, ma là c'était. Soprattutto che mormorava la pancia e poi sentivo spingere forte, nonostante sia andata 10 volte al bagno per evitare questo problema. Eh, beh, il povero alligatore voleva scappare. E eh, il povero alligatore voleva escapar. Eh perché ormai sei diventata dominatrice e non più prigioniera. Perché ora sei diventata dominatrice e non più prigioniera. Ok, rien. Eh, si si je te demande si tu veux publier la session. Euh, si vous pouvez masquer tout, tout ce qui est de moche. <rire> <rire> a, a, alors, tu te la mets comme l'a mise là. Si tu peux en tout ce qui est brut. Ah, non, je ne comprends rien, excusez. Alors, je ne vais rien masquer. <rire> <rire> je savais, savais qu'il aurait répondu là. comme ça. <laughs>